Bienvenue dans ce dernier épisode consacré au chantier de la salle d'eau. Jusqu'ici, vous avez vu la démolition, la plomberie, l'électricité. La semaine dernière, on a rattrapé les murs. Cette fois-ci, on s'intéresse au ragréage, la pose du bac, le carrelage et vous verrez le résultat final. Je profite de ce dernier épisode pour organiser un jeu concours en partenariat avec Griffon. Il y a un lot de cartouches à gagner, du Polymax, de la Woodmax, du HBS 200, un pistolet, je vous explique tout en fin de vidéo. On est dimanche, la veille samedi, j'ai organisé le tirage au sort pour la pince élite, donc le gagnant est annoncé sur Instagram, vous irez voir. Je vous laisse avec cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure pour le jeu concours Griffon. Bon, je vais m'attaquer à la dalle. Avant de couler le ragréage, je vais la décaper légèrement en surface, donc ponceuse béton, c'est une Colomix CMG 1700. Chose obligatoire avec ce genre de machine, que ce soit une dalle béton ou une chape, mettez des gants, des lunettes de protection et surtout l'aspirateur. Si vous ne branchez pas un aspirateur sur votre ponceuse béton, vous allez vous retrouver dans un nuage de poussière en moins d'une minute. Donc aspirateur, gants, lunettes pour vous protéger et vous pouvez décaper. Et quand je dis décaper, on ne va pas enlever 2 cm, ça ne sert à rien. Le but c'est d'enlever les dernières traces de colle, de casser les éventuelles bosses. Et ensuite on peut poser le primaire, donc on y reviendra, la résine. Et on coule le ragréage, mais avant, on ponce. Bon, ça fait une petite heure que la résine a été appliquée. J'en ai profité pour faire un cordon tout autour de la pièce. Comme ça, s'il y a un petit trou quelque part, au moins le ragréage ne part pas dans le trou. Donc, je me retrouve avec une pellicule en surface de dalle. Ça colle un petit peu au doigt, c'est normal. Maintenant, je vais pouvoir préparer le ragréage et le couler directement sur la dalle.
Bon, ragréage terminé, ça brille de partout. Il y a des reflets, on voit les spots dedans. Un vrai petit miroir, je vais m'approcher plus près pour que vous puissiez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc une fois que ce sera sec, on se verra plus dedans, mais c'est pas grave, le but c'est de le recouvrir. Alors vous avez vu que je me suis aidé d'un peigne à colle, 10 mm. Vous pouvez utiliser un platoir flamand et ensuite rouleau débuleur. Et le rouleau débuleur, c'est indispensable. Certains fabricants vont vous dire que ça sert à rien, que c'est pas indispensable. Moi, je pense que c'est vraiment nécessaire. Comme son nom l'indique, ça enlève les bulles. Et surtout, ça uniformise, ça égalise. Parce qu'on a beau tirer avec le platoir ou le peigne à colle, avec le rouleau débuleur, ça égalise quand même pas mal. Alors pour ceux que ça intéresse, la pièce a fait 2 mètres par 1 m 45 et j'ai passé 2 sacs pour rattraper environ 1 cm d'épaisseur. Donc là, on va laisser sécher tranquillement et pour vous, bah, ça va être tout de suite. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Bon, le petit ragréage le lendemain matin. Eh ben, il a bien dormi, il a passé une bonne nuit, tout va bien, il a séché en surface. Là, il y a encore une petite tache sombre ici, il va falloir le laisser sécher encore un petit peu. Je vais m'approcher plus près, on va passer la main dessus, on va voir ce que ça donne. C'est doux, c'est lisse, pas de traces, impec. Donc maintenant, on va vérifier la planéité, on va poser une règle dessus, puis après, je vais le recouvrir avec une couverture, faut pas le salir. J'ai des bandes à faire sur les murs, au plafond, donc on va éviter de faire des taches dessus. Bon, j'ai été chercher une règle, on va pouvoir vérifier la planéité du ragréage. Donc là, on est pas mal. On est bon également. Là, on est bon. Et on est bon. Donc ça, c'est l'avantage du ragréage auto-nivelant, c'est qu'il se met de niveau tout seul. Et avec l'aide du rouleau débuleur, là, bien sûr que ça enlève les bulles d'air, mais ça égalise énormément. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais le fait de pousser et tirer le ragréage avec le rouleau, ça égalise quand même pas mal. Bon, maintenant que les bandes d'étanchéité sont sèches, j'ai pu poser le receveur, faire un montage à blanc avec la bombe de douche. J'ai tout repéré, j'ai tout tracé, je suis prêt à coller. Donc là, j'ai tout enlevé, on va tout remonter ensemble. La bombe de douche est celle-ci, c'est une Geberit, vous avez le lien dans la description. Elle fait 90 de diamètre, garde d'eau 50 mm, c'est fait pour les receveurs en céramique, les surfaces solides et acryliques. Bride en acier inoxydable, tube plongeur et coupelle démontable, et c'est une sortie à coller en PVC diamètre 40. Donc la bombe elle ressemble à ça, on va l'installer et on va coller le tube en PVC directement dedans, chose importante. Il existe le même modèle avec une sortie en PE. Donc si vous avez un tube d'évacuation en PVC, vous pouvez prendre ce modèle. Et si vous avez un tube d'évacuation en PE, il faudra prendre une bombe avec une sortie en PE. Donc maintenant je prends la caméra, je m'approche au plus près et puis vous allez découvrir tous les accessoires. Alors bien sûr qu'il y a une notice de vendu avec, il y a un joint, il y a tous les accessoires, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc la bande, elle va venir comme ceci. C'est aussi simple que ça. On va mettre la colle dans cette partie qui fait office de manchon. En emboîte, c'est collé. Et même si vous l'avez mise comme ça, c'est pas grave, puisqu'une fois que ce sera collé, on peut l'orienter comme on veut. Donc pas de problème. On colle, c'est emboîté, on remet ça droit. Alors ici, il faut être relativement plat, parce que le receveur va être posé dessus. Si vous dites, moi je veux un maximum de pente, je me mets comme ça, forcément, sous le receveur, ça ne plaquera plus. Donc on se met bien comme il faut, relativement plat. Ensuite, moi là, j'ai 15 cm de PVC, un coude à 45 et ma pente. Donc si vous voulez pas vous embêter avec un bout de PVC, vous pouvez mettre une manchette souple et puis vous orienter votre bombe comme vous voulez. Moi, j'ai fait en sorte que tout tombe bien. J'ai fait un montage à blanc avant. Je suis bon. Il va falloir mettre le joint sur le dessus en sachant que j'ai coupé la partie qui est sur le dessus. Normalement, il est comme ça, le joint. Je l'ai coupé parce qu'il préconise de l'enlever si votre receveur fait plus d'un centimètre d'épaisseur. Donc, il fait plus d'un centimètre, je l'ai coupé. Si le vôtre, il fait un centimètre d'épaisseur, eh ben, vous le laissez. Ensuite, on va venir mettre le joint dessus. Voilà, et ça va venir se compresser sous le receveur, donc ça va faire l'étanchéité. Donc maintenant on va coller, on prend de la colle PVC, on en met dedans, et puis il faut y aller, hein. Faut pas hésiter, même si on vous dit, ah ça va faire des bourrelets, gna 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 gna, moi j'ai jamais vu un bouchon à cause d'un bourrelet de colle. Et vous pouvez même en mettre autour.
Donc voilà, la colle est dedans, on emboîte et c'est tout. Il faut bien se mettre en butée. Alors vous avez vu que mon tube, il était propre, bien coupé, bien chanfreiné. J'ai utilisé cet outil. Je l'ai déjà montré en vidéo, c'est un coup de tube rigide 40-32. Vous appuyez ici, les petites lames se rétractent, on passe le tube et on tourne. Donc ça va vous faire des petits copeaux, vous voyez. Là on a des copeaux. On tourne. Et on se retrouve avec un tube coupé et chanfreiné. Et il est propre. Donc ce petit coupe-tube, ensuite ça on en enlève, on n'en a plus besoin. Ce coupe-tube, vous avez le lien dans la description, honnêtement, pour ce genre de choses, c'est le top. Ça coupe droit, ça chanfreine, c'est impeccable. Alors sur une installation déjà existante, vous ne pourrez pas vous en servir pour couper votre tube. Il faudra démonter le tube si vous pouvez, repasser le tube dans l'outil ou passer l'outil dans le tube. Et vous pourrez le couper et le chanfreiner. Mais là, je vous dis, pour ce genre de choses, c'est l'idéal. Regardez comme c'est propre, c'est net, c'est chanfreiné. Donc voilà pour le coupe-tube, lien dans la description. Alors oui, pour info, j'avais décapé avant. Je vous montre le décapant, j'en avais mis. Et la colle PVC, c'est celle-ci si ça vous intéresse. Pareil, les liens sont dans la description. Bon, je vous montre que ça ne fuit pas, je vous mets de l'eau dedans. J'en avais déjà mis pour les odeurs, parce que ça commence à me gêner. Et voilà. Et ça ne fuit pas, on le verrait tout de suite sur le raccordage. J'ai pas d'eau, et au niveau des raccords, il n'y a pas de fuite. On est bon, on peut poser le receveur. Bon, j'ai positionné le laser sur trois carreaux, ça me donne la bonne hauteur par rapport à mon receveur. En sachant que la hauteur que vous voyez du trait de laser au sol, c'est une faïence pleine. Ça veut dire que j'aurai une faïence, donc c'est celle que vous voyez ici, qui va venir au ras du receveur. La rangée du dessus viendra sur le receveur. Donc il n'y aura pas de petite coupe entre la faïence du dessus et le receveur, parce que ça ferait vraiment très moche. Donc mon trait de laser tout autour, c'est le niveau de mon receveur. J'ai collé mes plots, donc les petits plots réglables, sur des chutes de faïence, parce que j'ai pas assez en hauteur. Donc je les ai collés à l'MS polymère pour éviter que ça bouge, pour éviter que ça fasse du bruit. Donc là ils sont collés, ils bougeront plus. Mon point de référence c'est le plot qui est au fond. Toujours, parce que c'est plus facile de régler ceux qui sont devant que celui du fond. On règle celui du fond, une fois qu'il a la bonne hauteur, on pose le receveur et on visse ou on dévisse les trois autres. Donc là je vais appliquer de la board fixe, c'est l'MS polymère de chez Jacon, sur tout le tour. Alors tout le tour, je vais m'arrêter là où j'ai fait mes repères, ici et là. 90, ça sert à rien d'aller au-delà, le bac fait 90 sur 90. Je vais faire un cordon au-dessus, un cordon en-dessous. Et le cordon, faut qu'il soit très épais. Ça sert à rien de faire un petit cordon, juste de plaquer le receveur. Faites quelque chose d'épais, on plaque le receveur et ensuite on refera un cordon dessus. Bon, les cordons sont faits, j'en ai fait un au-dessus, un en-dessous, on va pouvoir placer le receveur, donc il y a une double protection. Et l'avantage d'avoir mis les cordons sur les panneaux, c'est que je ne vais pas m'en mettre plein les doigts lorsque je vais prendre le receveur pour le poser. Parce que si vous mettez les cordons autour du receveur, vous le prenez avec les mains, forcément, vous allez vous en mettre plein les doigts. Donc on fait des cordons assez gros, assez épais, on va pouvoir bien appuyer, écraser et ensuite recordon sur le receveur. Bon, maintenant que le receveur est placé, je vous ferai une vue d'ensemble tout à l'heure. Là, je suis un peu pressé dans le sens où la colle est encore fraîche et il faut que je remonte la bonde sous le receveur en mettant cette bague. Trois vis, ça va serrer et remonter la bonde. Je vais pouvoir faire un test avec de l'eau, voir si ça fuit. Si ça fuit, bah, tant que la colle est sèche, je peux tout enlever et voir ce qui ne va pas. Mais normalement, à 99,9%, il n'y aura pas de fuite. C'est du Geberit, c'est de la qualité. Mais voilà, tant que la colle est fraîche, on peut encore intervenir, c'est pour ça que je me dépêche et je vous ferai une vue d'ensemble après.
Donc on prend la bague, on la met ici. Les trois vis, on les positionne en face. Donc pour l'instant, on ne serre pas complètement. L'idée, c'est de ramener la bague au milieu pour faire quelque chose de plus ou moins joli. Autant que ça ressemble à quelque chose. Et une fois que c'est ramené au milieu, on peut serrer. Donc on serre au fur et à mesure. Et voilà. Donc là, la bonde était ramenée sous le receveur, elle est compressée. Bon, maintenant que la bonde est remontée sous le receveur, on va faire un test, on va verser de l'eau. J'ai positionné le projecteur, on va pouvoir voir en dessous. Donc on verse de l'eau, on y va doucement. Maintenant on va aller voir en dessous. Il y a de la lumière, on va voir quelque chose. Donc on voit la bonde au fond et aucune trace d'eau. Sur le réglage, on le verrait tout de suite. C'est l'avantage. Et là, ça ne fuit absolument pas. Puis de ce côté, on voit les bourrelets de colle, combien débordés. C'est impec. Bon, pour le receveur, c'est terminé. Il est posé, on n'en parle plus. On va laisser la colle MS polymère sécher tranquillement. Donc la bonde, il reste encore quelques accessoires. La grille, des notices pour les cheveux et un bouchon, une attente pour les odeurs. Moi, je vais verser de l'eau, donc ça craint rien. Je vais quand même la mettre. Allez, c'est joli, ça fait jaune.
Donc là, j'ai deux trous à faire pour passer les tubes multicouches. On va déjà percer avec ce type de forêt. Ça perce le verre, ça perce la céramique, la faïence. Vous avez le lien dans la description. Et vous voyez, ça ressemble à ça, c'est une pointe. Et celui-ci, il fait 6 mm. Donc on va faire un pré-trou. Et puis après, on va utiliser une cloche, vous allez voir. Hop! Bon, vous le sentez pas, mais ça sent le bois brûlé, c'est normal. Mais par contre, l'avantage de ces forêts, c'est que vous voyez, le trou, il est impeccable. Il n'y a pas d'éclat sur le carrelage. Donc lorsqu'on percera pour mettre la paroi de douche ou bien le meuble vasque, j'utiliserai ce type de forêt. Et vous voyez, on est impeccable. Alors maintenant que les deux petits trous sont faits, on va pouvoir faire des trous plus importants. C'est une cycloche diamant, Milwaukee, vous avez le lien dans la description. Vous avez deux petits trous en dessous et le filetage. Meuleuse, perceuse, comme vous voulez. Moi, je préfère la perceuse. Donc, on visse ça sur l'adaptateur. Hop, là, on le bloque et ensuite, on visse. Voilà ce que ça donne. On prend la perceuse. On le met dans la perceuse et on visse. Hop, c'est prêt, il n'y a plus qu'à percer. Donc voilà ce que ça donne. Ça nous fait des trous qui sont super propres. Donc maintenant, on place ça devant le multicouche et on prend nos repères pour la prise et la sortie en PVC. Alors maintenant que le carrelage est percé, j'ai positionné le laser sur mon axe horizontal. Je vais masquer le laser, donc c'est l'axe que vous voyez ici, je l'avais tracé au préalable. J'ai un axe vertical pour mon évacuation, un axe vertical pour mon arrivée électrique. Donc maintenant, on va positionner le carrelage qu'on vient de percer. On passe le multicouche. On se met sur les cales de chaque côté. Voilà, il faut que je respecte mon joint ici, là on est bon. On peut s'aider d'un scotch si on veut que ça tienne tout seul. Et ça tient tout seul. Donc je me retrouve avec le laser sur le carrelage. Je vais pouvoir tracer mon axe horizontal et mon axe vertical. Alors là, je vais juste faire un repère ici et là. Ensuite, avec l'équerre, je vais pouvoir reporter jusqu'ici. Mais au moins, je ne me complique pas la vie à mesurer. Là, je suis sûr d'être bon, puisque mon laser étant sur l'axe, il se reporte automatiquement sur le carrelage. Alors, j'aurais pu le mettre en croix aussi pour reprendre cet axe-là. Mais là, j'ai juste à m'aider avec Pikachu. Donc, je vous présente Pikachu. Le marqueur piqué indélébile, lien dans la description, c'est le top pour le carrelage. Vous voyez, vous faites votre repère horizontal. Je passe le doigt dessus, ça ne s'efface pas. Donc, c'est l'idéal pour le carrelage, parce que le crayon... Souvent, on a les doigts humides avec le carrelage. Vous faites ça, vous effacez votre trait de crayon, vous ne savez plus où vous devez couper ou percer. Donc ensuite, ici, c'est pas compliqué. Je fais juste un repère et avec l'équerre, je vais pouvoir reporter et percer ici. On fait la même chose pour l'arrivée électrique. Et voilà. C'est terminé. Donc Pikachu, il va vous aider. Lien dans la description, foncez. Il y a même les crayons, je vous mets tout, vous verrez. Mais c'est le top. On enlève le scotch. On perce tout ça et on voit ce que ça donne. Alors pour la double prise, c'est exactement la même histoire. On positionne le laser, j'ai fait mon repère pour mon axe horizontal, le repère pour l'axe vertical, l'autre au-dessus, puisqu'on est sur une double prise, on est sur deux carreaux. Hop, on positionne le premier, on met les cales,
là on est bon, on respecte notre joint ici. Et maintenant, toujours Pikachu, hop, hop, et on perce là. Premier trou, ensuite, une fois que c'est collé, on fait toute la rangée, les cales, le carrelage au-dessus, on monte le laser, on se met sur l'axe vertical et horizontal, on perce et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Allez, on perce. Donc là, j'ai juste cette partie à enlever. Donc je ne vais pas me compliquer la vie à la couper avec la scie cloche. Je vais prendre la meuleuse et je vais couper juste cette partie. Parce que là, avec la scie cloche, je suis sûr de tout casser. Donc vous avez vu comment j'ai fait. J'ai mis des bouts de scotch pour tenir les carreaux. J'ai pré-percé, enfin j'ai fait un premier trou pour le carreau du haut. Ensuite, j'ai mis la scie cloche dessus. J'ai repéré au marqueur et j'ai juste ça à enlever. Donc je coupe ça et l'autre directement avec la scie cloche. Bon, pour les joints, époxy dans la zone de douche, Weber joint fin pour le reste des murs, ce panneau, ce petit bout de panneau, celui-ci et celui qui est derrière moi, et entre les scotch bleus, époxy. Donc les scotch bleus délimitent les parois de la douche, celui-ci et celui-là, donc ça va s'arrêter à peu près à cette rangée. Il va y avoir une différence de texture entre le joint fin et l'époxy. Donc le joint fin, c'est celui-ci, c'est du Weber, il est en gris perle. L'époxy, c'est gris perle également. Il y aura une différence, c'est pour ça que là j'ai mis le scotch bleu pour m'arrêter avec le joint fin et après reprendre avec l'époxy. La paroi de douche sera entre le joint fin et l'époxy. Donc on ne verra pas de différence, il y a juste sur cette rangée, enfin ce joint et ce joint, il faudra vraiment avoir l'œil dessus pour aller voir la différence. Au niveau couleur, ce sera la même chose. Donc on commence par le joint fin, donc pour tous les murs. Ensuite on fera l'époxy dans la zone de douche et en dernier on s'attaquera au sol. Le sol, c'est du gris ciment. Donc la propriétaire a choisi pour les couleurs. Moi, j'aurais plus mis un gris ciment sur les murs et peut-être plus clair pour le sol. Elle a choisi comme ça, ça lui convient. C'est parfait. Donc maintenant, on va mélanger le Weber joint fin avec de l'eau. On prépare sa petite mixture. J'ai ma taloche qui est là. Puis après, on laisse sécher un petit peu et on nettoie tout ça. Bon, ma pâte est prête, j'ai la taloche, on va commencer par ce panneau, puis on va tourner, on va éviter la zone de douche puisque c'est de l'époxy, et on va terminer par le panneau qui est derrière moi. Donc là, tous les joints qu'on fait en dehors de la zone de douche, ce n'est que décoratif. Dans la zone de douche, c'est décoratif et c'est aussi une fonction d'étanchéité. C'est pour ça que je fais de l'époxy, on y reviendra plus tard. Donc là, c'est pas compliqué, on prend, on en met sur sa taloche, donc vous voyez, c'est gris comme ça, gris perle, et on vient l'étaler, alors on part en biais. Il faut remplir le joint. C'est tout ce qu'il y a à faire. Remplir le joint. Et après, ça va tirer. Ça va faire une petite laitance dessus. On viendra passer une taloche éponge pour nettoyer tout ça. Et là, je vous dis, c'est purement décoratif hein, ce qu'on fait. Tout ce qui est en dehors de la zone de douche, si vous remplissez mal les joints, c'est pas très grave dans le sens où c'est juste de la déco. Alors, faut bien le faire. Faut s'appliquer, bien sûr. Mais bon, on n'est pas
dans la zone de douche. Il faut en ramasser un maximum. Plus vous allez en ramasser, moins il y aura de nettoyage à faire après. Bon, j'ai préparé le bandeau pour mon receveur, je l'ai fait en jackboard plano, le même panneau qu'on a utilisé pour les murs, la mousse de polystyrène recouverte de mortier avec une trame. Vous voyez, il y a une trame sur le dessus, derrière pareil. Je l'ai découpé en surface, donc j'ai cassé la première trame, j'ai découpé le polystyrène, je me suis arrêté avant la trame qui est derrière et je l'ai renforcé avec une bande armée, donc la même bande armée qu'on a utilisée pour les panneaux recouverts de colle carrelage, sauf que là j'ai pas mis de colle carrelage, j'ai mis de la MS polymère parce que de la colle carrelage, si je plie, ça casse. La MS polymère, c'est souple, c'est élastique, je peux plier, ça cassera pas. Donc j'ai fait tout le long, c'est renforcé et donc je peux faire, vous voyez, la forme que je veux. Le fait de l'avoir coupé tous les 4 cm, alors j'aurais pu faire 3 cm, j'aurais pu faire 5, peu importe, j'ai jugé que 4 c'était bien, je peux lui donner la forme que je veux. Il y a la trame qui est derrière, et en plus c'est renforcé avec la bande armée. Donc ça tient. Je continue, je me retrouve avec l'autre grande partie. Une cale en bois, une vis. Alors cette cale en bois, je ne l'ai pas collée, elle tombera derrière le bandeau, c'est pas grave quand j'enlèverai la vis. Ça va juste me servir. Là je vais mettre de la colle sur les champs, je vais coller mon bandeau sous le receveur et sur le carrelage. Et ensuite, je vais pousser le bandeau, mais il va falloir aussi que je tire pour régler l'épaisseur en fonction du carrelage. Donc pour pouvoir le retirer, parce que le pousser ça va être possible, il n'y a aucun souci, mais après il faut retirer. Donc pour tirer, la petite cale qui est derrière va me servir, vous prenez la vis et vous le ramenez vers vous en fonction de l'épaisseur de votre carrelage. Donc je vais en mettre un peu partout, je vais en mettre par ici, par là, je vais en mettre 4-5 et je vais pouvoir régler la profondeur de mon bandeau. Donc ça va donner à peu près un arrondi comme ceci. Bon, pour le bandeau, c'est terminé. Je l'ai collé à la MS polymère. Au début, je vous avais dit silicone. L'avantage de la MS polymère, c'est que ça fait effet ventouse dès qu'on colle. Donc, ça tient tout seul. Et puis, ça fait aussi étanchéité. Donc, ça va bien.
J'ai mis un cordon sur le dessus du bandeau, je l'ai poussé en dessous, j'ai retiré les clés vis, je l'ai remonté dans la gorge. Sous chaque receveur, vous avez une gorge qui est à peu près à 2-3 cm du bord. Ça tenait tout seul et ensuite j'ai comblé en dessous avec de l'AMS polymère. Alors bien sûr, ruban de masquage, ça évite d'en mettre partout. Maintenant que c'est collé, on va laisser sécher pendant une heure. Ensuite, je vais découper mon carrelage, donc le même qu'on a mis au mur. Je vais remplir toutes les petites facettes. Donc je vais coller le carrelage à l'AMS polymère, pareil. On va pas se compliquer la vie avec de la colle carrelage. Ça va tenir à l'AMS polymère. Et une fois que c'est collé, c'est terminé, on peut attaquer les joints époxy. Pour le bandeau, c'est terminé, tout est collé, on laisse sécher tranquillement. Alors je me suis pas embêté à faire de la colle carrelage, je l'ai collé directement à l'AMS polymère, ça tient très bien. Le carrelage, j'ai pas respecté les 4 cm de facettes qu'il y avait à la base. J'avais coupé le jacobord à 4 cm, ça me faisait 22 facettes. Je l'ai fait un peu plus grand, ça chevauche les coupures que j'ai fait dans le jacobord, c'est pas plus mal. Ça consolide le bandeau et puis ça me fait moins de facettes, c'est plus joli. Donc maintenant on va s'attaquer aux joints époxy dans la zone de douche. Et on va également en mettre sur le bandeau, vu que de l'eau peut couler. Autant faire quelque chose de durable sur ce petit bandeau. Pour le mortier joint classique, c'est terminé. On va s'attaquer au joint époxy dans la zone de douche. Alors l'avantage du joint époxy, c'est qu'il est 100% étanche. Il est bien plus résistant qu'un mortier joint classique. Il va durer dans le temps. Il résiste aux produits agressifs, aux détergents, à l'eau de Javel. Dans une douche, les joints sont quand même assez sollicités. En plus, on fait le ménage, donc on passe des produits détergents, les produits sont très agressifs, produits anti-calcaire par exemple. Le joint époxy, vous pouvez passer tous les produits que vous voulez, même le nettoyeur haute pression, ça ne craint rien du tout. Alors le joint époxy, c'est livré en général dans un petit pot de 5 kg. Et 5 kg, alors moi c'est du Weber, c'est du gris perle, la même marque et la même couleur que le mortier joint classique. En sachant que je vais avoir ma paroi de douche qui va chevaucher et le mortier joint classique et le joint époxy, donc on ne verra aucune différence. J'aurai juste une, deux rangées au-dessus de la paroi. Il faudra vraiment avoir l'œil pour aller juger qu'il y a une différence entre les deux. Mais prenez la marque que vous voulez, mais sinon la même marque et la même couleur. Et au moins, vous êtes tranquille. Donc c'est livré dans un petit pot. Dedans, on a le durcisseur, le joint qui est en dessous. Tout est expliqué sur le couvercle. Alors, si c'est une autre marque, ce sera peut-être expliqué différemment, peu importe, mais dans le principe, c'est très simple. On mélange le durcisseur à la pâte avec un malaxeur monté sur une perceuse, vitesse lente. On obtient une pâte qui va être assez visqueuse. On l'étale sur le mur, on rince et vous allez voir que ça se rince très bien. Ça se rince même mieux que le mortier joint classique dans le sens où il n'y a pas de laitance. Donc, il suffit d'émulsionner avec une éponge. Ensuite, on rince une fois, deux fois et c'est tout. Et si en surface, le lendemain, ça colle légèrement, un coup d'alcool à brûler et c'est tout. Donc il nous faut un platoir spécial époxy. Alors le platoir, on va pouvoir le récupérer parce que autant l'éponge, celle-ci par exemple, c'est une éponge neuve. Elle est biseautée, c'est pratique pour aller dans les angles. Il y a un côté qui gratte, un côté normal. Donc je vous l'ai dit, on va émulsionner avec le côté qui gratte, on rince avec le côté normal. Mais après, c'est poubelle parce que vous n'arriverez pas à la rattraper. Si c'est pour mettre de l'essence dessus, de l'acétone, aucun intérêt, rachetez-en une, ça vous coûtera moins cher. Donc ça c'est poubelle, par contre le platoir, un coup d'acétone et on le récupère. Donc moi il a déjà fait 2-3 chantiers celui-ci. Impeccable, vous voyez, bon, il y en a sur le dessus, hein. Ici, bon, je m'en fiche, c'est sur le dessus. J'arriverai pas à l'enlever de toute façon, mais le platoir est propre. Donc platoir époxy, éponge, vous avez les liens dans la description. Et chose importante, les gants. Alors ça c'est très important parce que c'est un produit qui est quand même nocif. Donc ça ce sont des gants jetables mais de très bonne qualité. Ils sont, bon, je vais pas vous dire qu'ils sont indéchirables, c'est des gants jetables. Donc si j'insiste je pourrais les craquer. Mais ils sont quand même très résistants. La marque c'est des Black Mamba. Vous avez le lien dans la description. Si vous n'avez pas de gants jetables résistants, vous prenez des gants pour faire la vaisselle. En général ils sont assez costauds mais après c'est poubelle. Parce que c'est compliqué à nettoyer l'époxy. Alors l'époxy, il faut savoir que c'est beaucoup de préparation.
Ne commencez pas à malaxer votre peau et vous dire allez c'est bon, j'étale avec une spatule n'importe laquelle pour ensuite vous dire ah mince maintenant il me faut une éponge, il me faut des seaux, là vous allez perdre énormément de temps. Préparez vos seaux d'eau propre, moi j'en ai mis deux pour en mettre trois. Mon éponge est là, mon platoir est propre, je suis prêt à attaquer. Dès l'instant où vous avez malaxé, je ne vais pas vous dire que le temps est compté, vous avez largement le temps de le travailler, vous allez voir que ça se travaille très bien. Ne paniquez pas à vous dire dès l'instant que je l'ai étalé, ça va sécher, c'est une catastrophe, ça se nettoie très bien, vous allez voir. Vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Par contre, j'ai protégé mon bac, j'ai mis du scotch de masquage autour de la bâche, donc le bac est protégé, j'ai mes seaux avec l'eau propre, tout est prêt, je suis prêt à attaquer. Donc dès l'instant où je suis prêt, on peut y aller. Mais si vous commencez à perdre du temps à vous dire « Ah, il manque ceci, il manque cela, je vais passer un coup de fil », ça va être catastrophique. On se pose, on prend son temps et ça va se faire tout seul. Donc voilà à quoi ça ressemble le durcisseur versé sur la pâte qui est au fond. On mélange tout ça. Donc le malaxeur sur la perceuse. Et on mélange. J'ai oublié de mettre les gants. C'est ça, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc une fois que c'est étalé, on prend l'éponge et on vient légèrement frotter, sans appuyer. On frotte. C'est tout ce qu'on a à faire pour l'instant. Donc une fois qu'on a bien émulsionné, on prend le côté normal de l'éponge et on vient rincer. Donc vous avez vu que ça se rince quand même très bien. Ça n'a rien à voir avec le mortier classique. Bon, premier rinçage effectué, vous avez vu que ça se nettoie très bien, il n'y a pas besoin de forcer sur l'éponge à frotter parce que ça a séché et que ça s'en va pas. Ça s'en va très bien. Vous prenez le côté qui gratte, on vient faire émulsionner le joint. Et une fois que c'est fait, avec le côté normal de l'éponge, on vient rincer. Donc là, j'ai effectué un rinçage et on ne retrouve pas de laitance comme on peut retrouver sur un mortier joint classique. On pouvait considérer que c'est terminé. Alors moi, je vois qu'il y a un léger voile qui colle et bonne nouvelle. Chez Weber, je pense qu'ils ont modifié la formule. Il est beaucoup moins collant qu'avant. Avant, l'éponge, c'était poubelle directement. Là, je ne vais pas vous dire que je l'ai récupéré à 100%, mais je sens, bon, ça colle un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, je vais pouvoir m'en servir avec de l'eau très chaude pour mon deuxième rinçage. Donc là, j'ai mon seau qui m'attend. On va faire un deuxième rinçage. Et une fois que c'est fait, on laisse le joint sécher complètement. Donc, on va attendre 24 heures. Et dans 24 heures, un coup d'alcool à brûler s'il y a encore un léger voile sur le carrelage. Donc, on prend l'éponge, de l'eau chaude et on fait un deuxième rinçage.
Bon, pour cette salle d'eau, c'est terminé. La paroi de douche, les meubles et le radiateur sont installés. Alors, les meubles étaient déjà montés. J'ai juste eu à me reprendre dans les renforts que j'avais mis derrière le jacoboard. La barre de seuil est posée. J'ai terminé l'encadrement autour de la porte. Au niveau des finitions, j'ai plus rien à faire. La paroi de douche, je voulais pas filmer dans le sens où il m'aurait fallu beaucoup plus de place pour poser la caméra et faire l'assemblage. Il faut assembler la partie du bas avec les deux côtés, la partie du haut, silicone, vis dans tout ça, et on se reprend dans deux U en alu qui sont fixés, donc collés et vissés sur le carrelage. Ensuite, on accroche les portes. Donc tout seul, ça se fait, mais c'est compliqué. Il faut beaucoup de place. Sinon, si vous êtes deux, ça se fait sans problème. La marque, vous l'avez ici, Leda. Alors, je ne vais pas vous dire si c'est de la super qualité ou de la très mauvaise qualité, dans le sens où je suis anti-paroi de douche. Je déteste ça, ça vieillit très mal dans le temps. La propriétaire le sait, elle en est consciente. Hop, j'ouvre tout ça. Au début, moi, je voulais faire, quand j'ai visité cet appartement pour le devis, je voulais faire une immense douche d'1m40 par 90. Ça n'a pas été retenu. La propriétaire a préféré un receveur, une paroi, pour pouvoir mettre une colonne. Donc si ça lui convient, c'est parfait. Dedans, on a un mitigeur Hansgrohe, donc avec le pommeau, la barre, je me suis repris dans le renfort que j'ai mis derrière le jacoboard. Donc tout est siliconé, transparent. Sur les côtés, j'ai mis couleur galet pour attraper l'alu et la couleur du carrelage. Le meuble vasque, donc le plan vasque, il y a un silicone transparent entre le carrelage et le plan vasque. Le mitigeur, c'est un Grohe. Et les meubles, ils sont texturés en façade, donc ils sont très jolis. Bah, j'oublie un tournevis, ouais, j'ai bien fait de l'ouvrir. Donc il y a une bonde, bien sûr, sinon ça va s'écouler dans le meuble. L'armoire de toilette, donc elle est prise dans les renforts. La VMC, elle passe au millimètre près sous le plafond. Donc je ne l'ai pas fait exprès, mais ça passe. Le meuble vasque, il vient au ras du joint. Donc ça, c'était en fonction de mon calpinage. J'avais tout mesuré pour arriver à peu près à 89-90. Donc j'avais coupé celui du bas et celui du haut. Donc tout ça, je l'avais calculé, bien sûr, pour que ça tombe bien. Parce que là, si je m'étais retrouvé avec un centimètre de carrelage, celui-là qui dépasse d'un centimètre, ça aurait pas fait terrible, terrible. Le radiateur, il manque les caches. La propriétaire me les a pas rendus. C'est pas grave, on les mettra plus tard. Et dans l'ensemble, voilà à quoi ça ressemble. Tout est terminé. Donc c'est du verre, vous avez vu. Ça brille, c'est beau. La colonne, il y a un tiroir. Et puis ça s'ouvre. Hop! Il lui reste ces petites étagères à mettre. Et puis voilà dans l'ensemble. Donc mission terminée pour cette salle d'eau. Bon, pour la salle d'eau, c'est terminé. Vous avez tout vu dans l'intégralité, aussi bien dans des épisodes détaillés comme le plafond, le ragréage, l'étanchéité, le carrelage, comme dans une suite de vidéos. Je vous ai fait 5 épisodes de la démolition jusqu'à la finition. Donc pour la salle d'eau, c'est terminé. On va se retrouver dès la semaine prochaine pour la pose de bâti support sur plancher bois face à du placo. Vous allez voir qu'il y a 3 façons de procéder. On va également reprendre le chantier de la douche à l'italienne. Vous comprendrez pourquoi il a été interrompu. Il va y avoir bien sûr de la salle de bain pour 2021, de la salle d'eau, de la douche à l'italienne. On va également bosser dans l'atelier, j'aimerais le réaménager, créer un établi d'au moins 2 mètres sur 1 mètre, y intégrer la scie sous table, exploiter l'étage, pourquoi pas créer un monte charge, aménager l'étage. Donc j'ai plein de choses en tête pour cet atelier, donc on y reviendra. On s'intéresse au jeu concours, c'est cette publication sur Instagram qui s'affiche. Vous avez 15 jours pour participer, il y a de la Polymax, de la colle MS polymère, de la Woodmax, de la colle bois qui est étanche à l'eau, du mastic étanche à l'eau à l'air HBS 200, il y a 2 cartouches, un pistolet qui est top, ultra costaud, il est neuf bien sûr. Vous avez tous les liens dans la description pour Griffon, les cartouches, le pistolet, vous irez voir. Mais ce pistolet honnêtement, il est costaud, moi il me plaît bien. Donc tout ça c'est à gagner, vous avez 15 jours pour participer, tirage au sort dans 15 jours sur Instagram, je vous l'ai dit, c'est cette publication. Et pour info, le tirage au sort pour la pince élite a eu lieu, c'était samedi, le résultat est annoncé sur Instagram.
On se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, portez-vous bien.